Le prince Harry s'est fait une nouvelle amie. Lundi 14 janvier, le duc de Sussex était en visite avec Meghan Markle à Birkenhead. Sur place, une foule dense était venue saluer les futurs parents. Et dans l'assemblée, une petite fille a tout de suite attiré le regard du prince Harry. Dans ses mains, elle tenait une pancarte orange, hashtag solidarité entre les roues, je t'aime Harry. Dans les bras de sa maman, la petite Elisa arborait, comme le prince Harry, une chevelure de feu. En voyant ce message, l'époux de Meghan Markle s'est précipité vers elle. J'adore. Est-ce que tu aimes tes cheveux? Cette pancarte est super, a-t-il dit à Elisa avant de la prendre dans ses bras. Une scène qui a attendri de nombreuses personnes présentes sur place. Et ce n'est pas la première fois que le prince Harry plaisante sur sa couleur de cheveux plutôt rare. En décembre 2017, lors de son premier engagement aux côtés de Meghan Markle, il avait alors répondu à un curieux qui lui demandait ce que ça faisait d'être avec une si jolie femme en tant que roux. Si est-ce super n'est ce pas? Incroyable, avait alors lancé le futur papa. Pour leur premier engagement en 2019, Meghan Markle et le prince Harry ont parlé plus de 45 minutes avec la foule venue les saluer. L'occasion pour eux de faire quelques révélations sur le futur royal baby. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait choisi une tenue hommage à Lady Di, un ensemble violet et rouge. Une robe mi-longue signée Baba Tombaï Aritizia, soulignant son baby bump, et un long manteau rouge de la marque Sentali. Une combinaison de couleurs flashy, souvent portée par la princesse de Galles de son vivant.